Le BSI enregistre bien lorsqu'on appuie sur la clé. Eh ben... Wow, cet armada malade. Le BSI que j'ai acheté donc en Lituanie, le joint neuf. Voilà. Il est là. Bah vous avez vu, en plus de ça, c'est un Peugeot. Deuxième pied. Alors je vois qu'ils nous ont laissé des petits souvenirs. Donc ça, ça fait partie du pare-choc avant normalement. Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Donc bonjour à tous et à toutes, et encore donc merci donc de nous suivre sur Gasoline Auto TV. Aujourd'hui, présence donc de Saïd qui est Carrelec à Montélimar, électricien automobile, qui d'ailleurs était dans les locaux de Gasoline Auto il y a quelques années de ça. Exactement. Hein. Ça fait combien d'années qu'on se connaît? Oh là, une dizaine d'années. Oh oui, facile. C'était du temps où il y avait encore les moutons là-bas, tu t'en souviens? Exact. On coursait les moutons le soir. Exactement. J'ai appelé Saïd parce que tout simplement on a un problème sur cette 207cc que j'ai acheté aux enchères en Allemagne et le coffre ne s'ouvre pas, mais par contre le véhicule décapote. Donc Saïd va nous montrer un petit peu les 2-3 éléments primaires, on va dire, pour un diagnostic. Logiquement, oui. Non, mais là, elle est fermée, là. Ah, elle est fermée, merde. Ok. On bouge là, comme ça. Dans les postes, là. Et clique là sur ton bouton. Alors, regarde, il t'a dit n'importe quoi. J'ai pas appuyé sur... C'est fermé toute seule. Je te dirais que dans un ton coffre, ta serrure est restée en mode ouverture de ça. Bloquée en ouverture de toi. Ça, c'est moi qui l'ai fermé. Là, elle est ouverte. Hein. Attends. Alors, diagnostic. Historique. Là, actif. Alors, voilà. Donc, on est en train d'essayer de tester la clé. Voilà. Il a donc réparé la clé avec... Dépanner, ouais, parce qu'il y a une puce qu'il faut ressouder dessus. Donc, on a vu que maintenant, le BSI enregistre bien lorsqu'on appuie sur la clé. Voilà, c'est juste une impulsion en fait, hein, c'est ce qui fait que le coffre peut s'ouvrir. Mais le problème qu'on a, c'est que la gage de porte, la gage de haillon, ne s'ouvre toujours pas, ne fonctionne toujours pas. Donc, est-ce que ça serait le bouton ici ou mademoiselle qui ferait des siennes? À voir. Donc, il y a les deux. Donc, on va tester là avec un multimètre. Tester entre. À voir s'il y a du jus qui arrive. Exact. Là, le 2. Bon, je sais plus, on va voir. Qui clique-moi sur la clé. Il n'y a rien ici. Clique-moi. Ça change pas. Ça change pas. Donc alors, on va remonter tout doucement. On va remonter ici. L'autre, essayez voir. On n'a pas les 12 volts. Hein. On n'a pas les 12 volts qui arrivent. Vas-y, clique. Mais ouvre la, ouvre, déverrouille déjà. Elle est déverrouillée là, les rétroviseurs sont ouverts. Sont déployés. Voilà. Là, elle est fermée. Ouais, on n'a pas les 12 volts. On n'a pas les 12 volts hein, qui arrivent. Hein. On n'a que 16 volts 41, ça ne suffit pas. Alors moi je dirais un problème de BSI. Toi pour toi c'est un problème de BSI alors. Problème de BSI. D'où le fait qu'ils ont
gratter au niveau du BSI là-bas. Là, ils ont enlevé ici le cache. Le cache, il est manquant là dans la voiture. D'accord, donc ils ont dû y gratter. Ouais, je pense qu'ils y ont gratté. Ouais. Ils ont essayé de regarder. Et, c'est ce qui me semblait au départ que c'était le problème du BSI. Ça ne va pas être un fil coupé. Ça ne va pas être un fil coupé parce qu'on a quand même une tension. On a quand même une tension ici qui est de 16 volts 41 qui ne veut rien dire. Mais si le fil serait coupé, on n'aurait rien du tout. Ouais. Tout simplement. Ce qui me fait dire qu'il y a un MOSFET là-bas qui est malade dans le BSI. Un MOSFET ? Exactement. MOSFET. Soit on dépanne, soit on change de BSI. Et là, qu'est-ce que tu envisages, toi ? Déjà de le démonter, puis d'aller regarder. Eh ben, allez, on va le démonter. Voilà. Eh ben. Wouah ! Cet armada malade ! Laisse tomber. Donc apparemment ça serait lui qui serait défectueux. Ok. Eh ben, on va l'amener à Saïd et puis on va voir qu'est-ce que c'est qu'il va nous dire. Parce que là, s'il arrive à me la sauver, c'est un peu un cabriolet pour pas cher. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Parce qu'on a reçu des nouvelles voitures. Venez avec moi. Je vous montrer ça. Alors, j'ai reçu donc le Modus aujourd'hui et j'ai reçu il y a une petite semaine la 208. Il y a là derrière qui d'ailleurs normalement on va passer en vidéo avant la 207 CC. Donc normalement vous aurez le plaisir de voir la 208. Vous aurez eu le plaisir de voir la 208 avant la 207 CC. Et j'ai reçu aujourd'hui ce joli petit Modus qui est de 2010 et qui n'a que 84 000 km. Alors, je l'ai acheté tel qu'il est là. Le problème qu'il a, c'est qu'il nous manque le pare-choc devant. Ah, là de suite, il y en a qui vont mettre des commentaires. Ouais, c'est une voiture volée. Ou... Non, non. J'ai acheté le véhicule comme ça chez mon fournisseur qui fait la vente de véhicules aux enchères en Allemagne. Et le véhicule, d'ailleurs, vous avez les photos qui s'affichent au bas de l'écran. Le véhicule m'a été vendu tel qu'il est là, sans pare-choc. Donc j'ai trouvé sur leboncoin.fr un pare-choc à 270 € si je dis pas de bêtises. Hors frais de port, et j'ai regardé aussi sur France Casse et j'en ai trouvé un à 140 € sur France Casse dans une casse qui est dans le Vaucluse, dans le département 84. Alors je vais voir un petit peu, mais si le pare-choc à 140 € me demande 2 à 3 heures de main d'œuvre pour le remettre en état, autant prendre celui à 270 € où il y a juste à le poncer et à le peindre. Voilà un petit peu. Venez, on va faire le tour un petit peu. Là, je vais vous montrer. Hein. Donc là, par contre, il n'y a qu'une clé avec ce véhicule là. La clé fonctionne sans aucun problème. Il démarre. Il a 84 201 km. Regardez. Et avec, j'ai le carnet d'entretien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur ce bon carnet d'entretien? Inspection. Bon, après, je parle pas plus d'allemand que ça. Hein. Ah oui, ils disent que c'est tous les 2 ans et 30 000 km l'inspection. Elle a été faite en 2014, en 2016, hein, en 2018. Ok. Et puis là, Deutschland, Renault Assistance. Bon, ça, c'est le numéro juste de l'assistance d'Allemagne. Et question tampon. Eh bien, il est pas mal. Hein. Parce que là, en 2012, il avait 20 000. 30 000 km en 2014. 2016. 41 000. Voilà. 2016 encore, il avait 43 000. Et en 2021, il avait 76 407 km. Donc il a fait 6000 km en un an. C'est pas grand-chose. Ouais, je pense pas qu'il ait de deuxième clé. Là. Non, là, il n'y a rien. En plus de ça, je pense qu'à mon avis, ouais, ça fumait un petit peu dedans, mais c'est pas non plus extraordinaire. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là ? Alors ça c'est des papiers de deuxième clé. Ah. Je t'ai dit, c'est un truc de malade chez cet organisme où j'achète. Alors, il y a de tout, hein. Il y a à boire et à manger, hein, qu'on se le dise. C'est de là où j'ai acheté les Golf, c'est là où j'ai acheté la 206 avec le moteur cassé. Voilà. Après, il faut faire attention à ce qu'on achète. Je m'en cache pas, hein, je reconnais. Au tout départ que j'ai acheté les voitures aux enchères,
j'avais un petit peu trop la manie de la fièvre de l'enchère et la souris facile. Donc j'achetais un petit peu tout et ce qui se passait, quoi. Après, j'achetais pas non plus n'importe quoi, mais j'avais tendance à acheter beaucoup et à ne pas trop regarder non plus parce que je me fiais au niveau du prix. Là maintenant que j'ai un peu plus de trésorerie et que je suis un petit peu plus confortable financièrement, franchement, je sélectionne vraiment ce que j'achète. Et c'est fini, je ne vendrai plus de voiture à marchand, c'est mort. Je garde ce que j'ai pour moi. Parce que là, tout à l'heure, j'étais chez mon collègue qui est NetAuto26. Il m'a dit, ouais, j'ai du mal quand même à trouver des bagnoles en ce moment, c'est compliqué. Il y en a beaucoup, mais il m'a dit, c'est que des merdes, elles sont à des prix de fada. Donc là, moi, je m'estime heureux d'avoir trouvé ce Modus 1,2 litre 16V essence avec 84 000 km, carnet d'entretien suivi et les deux clés. Je veux dire, pour mettre juste un pare-choc, faire une distribution, une pompe à eau, avec une vidange, une révision moteur, comme je fais toujours avec gasoline auto et comme j'ai toujours fait auparavant sur mes véhicules. Voilà. Ce n'est pas un véhicule qui va me revenir à des millions d'euros. Et à la sortie, ça vaut 5 500. Attention, ça c'est un court, hein, celui-là. C'est un Modus court, c'est un normal. Derrière, le gris que j'ai pour ma femme, c'est un long. Donc le coffre est un poil plus grand. Mais voilà, après, honnêtement, au niveau de la revente, les gens, ils s'en foutent que ce soit un normal ou un long. Peu importe pour eux, ils voient que c'est un Modus, il y a un peu de coffre, c'est un peu haut, ils peuvent mettre leurs enfants dedans, c'est tout ce qui les intéresse. Et là, en ouvrant le capot, je viens de m'apercevoir que la distribution, elle a été faite à 43 371 km. C'était en novembre 2000, donc on va regarder sur le carnet d'entretien. Alors, donc, 43 371 km en 2016. Donc, 5 ans. Ou 120 000, 6 ans ou 120 000. Allez, on va partir sur 5. La distri, elle est à faire. Alors, je vois qu'ils nous ont laissé des petits souvenirs. Donc ça fait partie du pare-choc avant, normalement. On va le garder au cas où, on sait jamais. Et puis là, après, on a les deux morceaux de plage arrière. Hop. Qui ne sont pas cassés. Donc pas mal, je pense que j'ai fait voilà ici là, petite griffe ici. Ah, il manque la graffe qui vient là, vous voyez. Vous avez normalement la même ici, c'est pour retenir les ficelles de la plage arrière. Mais bon, honnêtement, voilà, hein, il n'y a pas mort d'homme. Un mois s'est écoulé jusqu'au jour où j'ai reçu, donc entre le moment où vous avez vu le diagnostic et aujourd'hui, que j'ai récupéré le BSI que j'ai acheté donc en Lituanie sur ovoco.fr et que j'ai payé 10 euros et je crois 15 ou 19 euros de frais de port. Voilà. Donc en fait, il fallait bien le commander avec le P07. Là, vous voyez à la fin, là, P07. En fait, il n'y a pas le P07 à la fin. Du coup, ça fait que vous n'avez pas tout ce qui est les options du cabriolet, d'après ce qu'on a pu me dire. Donc, voilà, Saïd a reparamétré donc le BSI d'occasion. Et il a réparé aussi la clé. Eh bien, écoutez, je vais remonter ça. Et puis, ben, on va voir si ça fonctionne. Bon, alors, le problème, ben, il est toujours présent. Et ça commence un poil à me gonfler. Hormis ça, ben oui, j'ai remonté le BSI. Alors, OK. Voilà. Là, elle ferme sans aucun problème. Elle s'ouvre sans aucun problème. Mais le coffre, il n'y a que dalle. Donc, Saïd, il va repasser. On va regarder un peu plus, on va dire, en détail. Il y avait le BSI, ouais, mais il n'y avait pas que le BSI, à mon avis. Je pense qu'il y a encore autre chose. Bon, allez, on va faire quand même le tour de cette voiture. Je vais vous expliquer 2-3 trucs. J'avais une multitude de défauts, mais c'était un truc de fou. Par rapport, et en plus, vous voyez, il va falloir faire très attention. Ça, on va voir pour le reparamétrer autrement, parce que la voiture se ferme toute seule. Et tout à l'heure, quand je suis allé chez Memon chercher des ampoules, la voiture s'est fermée et les clés étaient dans la voiture. Heureusement, les vitres étaient ouvertes, j'avais anticipé. Mais voilà, ça, c'est un point, on va dire, un petit peu négatif qu'il va falloir, il va falloir corriger, parce que j'ai peur qu'il arrive un de ces quatre un incident. Et en plus de ça, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai qu'une clé avec cette voiture. Alors, j'avais donc, comme je vous ai dit, une multitude de défauts. Il me mettait les feux de,
de virage, il me mettait pas mal de trucs. Alors déjà, il faut savoir que les ampoules qui sont là en bout de mon doigt, ben, elles n'étaient plus. Donc déjà, ben, il y avait un défaut. Après, il y avait celle-ci là que j'ai remis correctement, que j'ai repositionné correctement et qui s'est allumée ensuite de ça. J'ai changé aussi les ampoules de veilleuse. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Vous allez voir dans l'état que c'était. Bon, après, ça reste une voiture qui est restée un petit peu arrêtée. Voilà la gueule de l'ampoule. Ça, c'était la stop arrière gauche. Ça, les veilleuses. Donc, elles sont quand même assez bronzées, hein, comme je dis à chaque fois. Elles sont un peu trop restées au soleil. Et là, celle-là, c'était pareil aussi. Voilà un petit peu. Ensuite de ça, il y avait pas mal de défauts qui étaient, on va dire, dus au fait que bah, la batterie était à plat. Du coup, bah, j'ai mis une autre batterie à la place. Hein. Voilà, j'ai mis une batterie neuve. Le problème qu'il y avait quand on démarrait la voiture et qu'elle broutait, tout ça, elle tournait sur trois pattes, le problème, il a été résolu. J'ai changé les 4 bougies d'allumage et les 4 bobines d'allumage, ainsi que les sondes lambda. Vous en avez déjà une ici. Donc ça, c'est la sonde lambda qu'il y a en haut du pot, c'est-à-dire celle qui est là derrière. Voilà, donc en bout de ce fil-là. Celle-ci, là, câble noir. Et j'ai changé la câble, celle avec le câble bleu, celle qui va en dessous du pot. Bon, après, sinon, hein, vous voyez, le reste de la voiture est carrément correct. Moi, je peux dire que franchement, il n'y a pas trop de corrosion. Le silencieux, bah, ouais, c'est pas sensationnel, mais voilà. Leur maladie, c'est ça, là. Mais je vois que ça a déjà été retapé. Pas super propre, mais bon, voilà. S'il faut, on y mettra un petit coup de disqueuse, on verra, on peaufinera un petit peu tout ça. Après, bah, une bonne purge de frein, on va regarder un peu les pièces. Bah, vous voyez, donc j'avais pris le kit pompe à eau et kit courroie accessoire. Ouais, en SKF, bah ouais, je suis retourné sur SKF. C'était l'un des moins chers en marque. Donc voilà, il y a le galet tendeur de courroie d'accessoire, la courroie et une pompe à eau. En espérant qu'elle ne fuit pas dans un an. Voilà. Donc ça, après, il y a... Ça, c'est le tendeur de la chaîne de distri. Voilà, parce qu'en fait, le joint, là, il fuit. Donc du coup, j'ai pris le tendeur complet. Bon, on a déjà fait les filtres à air, filtre à huile, filtre à habitacle, tout ça. Hein. Filtre à huile, donc il est là. Je vais y faire moi la vidange là de suite. Et puis les biellettes de barre stabilisatrice. Et ça, ben, ça c'est les vieilles bobines d'allumage qu'il y avait de la voiture. Donc bon, on va savoir si c'était elle qui était défaillante ou pas. Voilà. Donc éventuellement, s'il y a quelqu'un qui serait intéressé, mettez un commentaire. De toute façon, sinon ça va partir à la poubelle. Alors j'en sais rien exactement si elles sont vraiment bonnes ou pas. Il y avait un problème anti-pollution. Alors est-ce que c'était les sondes lambda ou pas? Moi j'ai changé les deux sondes lambda et les bobines. J'ai pas cherché à comprendre parce que je sais que les bobines là-dessus c'est leur problème et les sondes lambda aussi. Donc du coup j'ai préféré tout changer et là maintenant le défaut n'y est plus et la voiture tourne correctement. Alors bon, après vous dire si c'était l'un ou l'autre. Sincèrement, je ne sais pas et j'ai même pas voulu me prendre la tête. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez les bobines. Y en a un qui me dit voilà, pas de souci. Il aura juste les frais de port à sa charge. Il y a deux pneus aussi, vous voyez. Celui-là, bah, déjà sur le côté, là, il n'est pas bien beau. Et puis, bah, comme je vous avais montré, hein, ils sont vraiment lisses de chez lisses. Après, voilà, elle a 138 000 km. Sincèrement, le reste. Il y a une bugne là sur l'aile arrière. Ça, je vais le faire. Les jantes. Bon, elles sont correctes. Hein. Le pare-choc, tout ça. Voilà, on mettra un petit coup de noir mat. Il n'y a rien d'extraordinaire. Là, on fera un petit lustrage ici. Mais voilà, sinon, le reste, ça reste comme ça.
Ouais, il y a celle-là de jante qui est un petit peu râpée là sur le bord. Mais bon, voilà, après c'est pas une voiture neuve non plus hein, donc et puis j'avais vu ça là. Donc ça, je vais m'en charger, je vais voir pour dégarnir ou sinon peut-être faire sauter la baguette là et essayer de le tirer proprement avec un petit clou là collé là. De débossage sans peinture, parce que j'ai pas envie d'aller repeindre à l'arrière juste pour ça. Alors que c'est pas grand chose, ça, même en dégarnissant derrière, ça revient à la main. Donc là, le pare-choc devant, là, qui est cassé. Vous voyez, avec la crosse, le bandeau de pare-choc. Donc je pense qu'il y a même la grille aussi, hein. Ça, voilà, on va regarder par la suite, une fois que le pare-choc sera démonté. Donc le pare-choc, je vais le réparer, mais ça, certainement, je vais devoir le changer. Le phare, ici, là, que j'ai en neuf. Dans l'emballage, j'ai déjà acheté deux pneus qui sont là, donc en attente, 205-45 ZR 17 88W en Sebring. Bon, ils sont pas mauvais, hein, franchement. Hein. Moi, je les aime bien ces pneus. Bon, après, sinon, hein, le reste, vous l'aviez déjà vu. Hein. Voilà, je veux dire que la voiture, elle est dans un état relativement correct. Bon, ben maintenant, tant mieux. On n'a plus deux voyants qui s'allument lorsqu'on démarre la voiture. Ouais, il y avait un voyant moteur qui restait allumé, il y avait pas mal. Hein. Bon là, ça l'aide pas hein, parce que vous voyez, Jérém il a fait le radin, il l'a fait tourner en réserve. Hop, ah ben je crois qu'il n'y a plus d'essence à mon avis maintenant. J'avais oublié aussi, et du coup je vais faire aussi le joint de cache culbuteur. Le joint neuf, voilà, il est là. Bah vous avez vu, en plus de ça, c'est un Peugeot. Et c'était le moins cher chez mon fournisseur en Pologne. Eh ben allez, on va se le faire ensemble, on va changer le joint de cache-culbut. Voilà un petit peu donc le résultat une fois la portée nettoyée. Donc je l'ai poncé au papier 240 à sec, hein, y a rien d'extraordinaire. Voilà, donc là, ici, là, en bout de mon doigt, là, il faut faire bien attention dans l'angle là où vous voyez la flèche. Parce qu'en fait, là, il va falloir. Il y avait déjà de la pâte à joint, parce que c'est les parties où ça risque de fuir, c'est des angles. Donc là, il va falloir que je remette un taquet de pâte à joint sur le bord, là où il y a la flèche. Et pareil pour ce côté-là. Donc j'ai bien tout gratté. Voilà, avec une lame comme celle-ci, là. C'est une lame de racloir. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai bien entendu donc remplacé ben, tous les joints. Hein, comme vous pouvez voir ici. Les vieux sont tout simplement là. Voilà. Bon, ben, maintenant, je vais mettre un petit taquet de colle. Mastic d'étanchéité, ici, là, pâte à joint, là et là, en bout de mon doigt. Et ensuite de ça, ben, je vais reposer tout simplement mon cache-cubu. Mais je vais mettre la pâte à joint directement sur le bloc. Voilà le rendu final. Ouais, bah c'est pas trop mal hein, pour un apprenti. Je pense que je me suis pas trop mal démerdé. Bon, c'est pas le premier que je fais, hein, mais si sur ce moteur-là, si c'est le premier que je fais, parce que sur mon C3 Picasso que j'avais même moteur, mais il n'y avait pas le problème avec le joint de cache-culbut. Bon, en même temps, il n'avait pas le même kilométrage non plus. Hein, il n'avait même pas 100 000, le C3 Picasso. Alors, j'ai mis un petit peu là en stand-by la 207cc, parce que c'est un véhicule que je vais certainement récupérer à moi à titre perso. Le Modus noir que vous avez vu, qui est d'ailleurs en très très bon état et très très belle affaire,
Il a été vendu pour 5500 euros et dessus, j'ai fait un petit effort et j'ai repris un véhicule. Mais alors, je vais vous montrer. Venez. J'ai repris cet engin là. Modus 1500 DCI de 2005, 122 000 km. Alors, je ne suis pas diesel, mais voilà. Je l'ai repris pour faire plaisir à la cliente à qui j'ai vendu Modus parce que c'est une dame qui a acheté ce véhicule il y a 6 mois en arrière et. Au bout de 6 mois, il y a eu quand même pas mal de problèmes. Elle n'a pas voulu faire de recours juridique, de quoi que ce soit, rien. Elle a préféré changer de véhicule. Elle est venue parce que déjà, elle avait eu un premier problème au garage et elle ne voulait pas retourner chez donc le vendeur de ce véhicule-là. Et quand elle est arrivée, j'ai fait un peu le tour. J'ai vu, je l'ai monté sur le pont, je lui ai montré. Je lui ai dit, bah, déjà, vous avez le turbo qui pisse. Il pisse et l'huile, mais un truc de fou. Je lui dis après la clim là elle fonctionne pas, je suis allé l'essayer, l'embrayage il était recta. Alors du coup elle m'a dit, moi c'est simple, le véhicule je n'en veux plus, je veux changer. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous auriez éventuellement à me proposer dans le même gabarit que le Modus? Ben, je lui dis, vous tombez bien, j'ai un Modus. Ah ben ouais, ben, je lui dis, ben, venez je vais vous montrer. Donc je lui montre. Ah, elle me dit, ouais, en plus il est noir et tout. Je lui dis, ouais, il est essence. Ah ouais, moi au début je voulais un essence. Et je lui dis, en plus il a 84 000 km et j'ai un carnet d'entretien avec. Par contre, il manque le pare-choc devant. Je vais vous mettre un pare-choc et tout. Et puis ensuite de ça, quand il est fait, je vous appelle. Donc, on s'est entendu sur le prix de reprise de ce Modus-là. J'ai repris 3000 balles. Donc certes, ok, c'est super, super bien repris. Je vais faire un super cadeau. Derrière, j'ai récupéré encore 4 membres de sa famille qui m'ont amené les voitures au coup par coup en entretien depuis. Donc bon. Je ne vais pas me plaindre non plus et j'ai sa fille qui doit changer de voiture normalement d'ici 3 à 6 mois au grand max. Donc je vais encore faire une vente. Voilà. Et la dame, moi ça m'a fait plaisir honnêtement de lui rendre service parce que c'est une dame qui est quand même, elle a ouais, plus d'une cinquantaine d'années et je vois que dans sa vie, elle bataille un petit peu. Donc j'ai essayé aussi de lui tendre la main. Voilà. Même si je ne suis pas une œuvre de charité, j'ai quand même essayé de faire un bon geste et de faire ma BA. Et voilà. Après, c'est une question de conscience comme on dit. Voilà. Donc là-dessus, bah, franchement, multitude de frais, mais un truc de fou. Comme je vous ai dit, embrayage. D'ailleurs, venez, je vais vous montrer l'embrayage. Voilà l'embrayage, 122 000 km. Alors là, il n'y a pas 500 solutions. C'est où pendant 6 mois, elle est restée le pied sur l'embrayage, à faire patiner l'embrayage et à dire « je veux défoncer mon véhicule ». Ou alors, c'est que bah, tout simplement, ça c'est un véhicule qui a fait de la ville et qui faisait que des petits parcours et beaucoup, on va dire, d'agglomération. Donc, le pied sur l'embrayage, première, seconde, troisième éventuellement, première, seconde, troisième éventuellement. Donc, voilà pourquoi on a fait aussi, par la même occasion, une vidange de boîte, forcément, parce qu'on a changé le kit embrayage. Et dedans, on a mis un traitement de boîte. Parce que je sentais peut-être la couille arriver. Voilà. Donc, après, on y a fait le turbo. Ben, le turbo, d'ailleurs, je vais vous montrer, il est là. Voilà le vieux turbo. Voilà un petit peu à quoi il ressemblait. Tout plein d'huile, tout ça. Vous pouvez voir que c'était loin d'être l'affaire du siècle. Allez, bon. Donc du coup, pour vous en finir, vu que j'avais vendu la Clio 3 de ma femme, j'ai dit, ben, elle voulait un Modus, belle aubaine, j'ai celui-là, il est rentré à 3000, je lui dois 3000, à faire classer. Je vais lui filer ce Modus-là et je vais faire tous les frais. Donc, j'ai fait le tour de la voiture et tout, j'ai commandé toutes les pièces, tout ça, avec mes propres deniers et pas ceux de la société, je tiens bien à le préciser. Et j'ai amené donc le Modus, avant de le faire, je l'ai amené à ma femme pour lui montrer. Je lui ai dit, voilà, ben, je vais faire ça, ça, ça et ça. Et quand je l'ai démarré, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais t'es sérieux là? Mais j'ai dit, quoi, il est très bien ce Modus, il est beau, il va être joli et tout. Ah, elle m'a dit, mais moi j'en veux pas de ton truc là, il fait un bruit de tracteur. Elle me dit, je veux pas de diesel, moi je veux un essence équipé à l'éthanol. Non, mais j'ai dit, mais t'es sérieuse? Je lui ai dit, mais attends, c'est un 1500 DCI, 65 chevaux, ça va super bien et tout. Ben, voilà, j'ai essayé de lui vendre un petit peu le véhicule, quoi. Elle m'a dit, non, mais cherche pas, hein, de toute façon, elle m'a dit, moi, j'en veux pas de ton machin, là, ça fait un bruit de tracteur, je veux pas rouler avec un tracteur, elle me dit, donc, moi, désolé, tu te débrouilles, tu me trouves une voiture essence, donc, du coup, elle m'a dit, mais le Modus gris, tu l'as toujours derrière le garage. Oui, pourquoi? Ben, parce que tu sais très bien que je le veux, donc tu te démerdes.
tu prends ce modus là, tu le vends, même si tu as fait les papiers à mon nom, c'est pas grave, tu le vends et tu me fais le modus gris qui est derrière. Donc voilà, il va falloir que je rentre le modus gris, et avant il faut que je vende celui-là. Donc celui-là, il me reste encore à faire les phares, parce que devant, ici, ils sont un petit peu ternes. Et il me reste aussi les charnières de porte. Parce que quand on ouvre les charnières, les portes, les charnières, on dirait qu'on ouvre une porte de château. Donc j'ai récupéré des charnières que j'avais par rapport aux portes que j'avais achetées d'occasion pour la Clio 3 Estate. Les charnières sont les mêmes. Donc je vais juste y mettre un coup de peinture, changer les charnières. Et ça tombe bien parce que j'ai les deux charnières avant et la charnière arrière gauche qui sont mortes. Et l'arrière droite n'est pas morte. Et heureusement, c'est toutes les charnières que j'ai. Donc déjà, ça me permet d'économiser un petit peu d'argent. Et puis après, je vais démonter les phares, les poncer, les vernir. Voilà un petit peu. Eh bien écoutez, merci encore. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et si c'est le cas, mettez un pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas le cas, mettez un pouce bleu vers le bas. Et comme je dis toujours, je ne vous en voudrais pas. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Bien entendu, mettez-moi des commentaires de fou et n'hésitez pas à commenter. Et c'est avec grand plaisir que je répondrai à vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche pour les nouvelles notifications concernant les futures vidéos qui vont être mises en ligne de Gasoline Auto TV. Eh bien, merci. Et qu'est-ce que je vous dis de plus? Eh bien, au week-end prochain. Allez, bye.